Bon ben on est reparti pour une nouvelle balade aujourd'hui. Faut que j'arrête de dire bon ben à chaque fois. Hein. Bon ben. Ouais. Bon bien. Pour la toilette ce matin, on verra tout à l'heure quand ce sera un peu plus chaud. Alors. Donc là. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something. Première montée qui nous a permis de nous réchauffer, qui nous permet de nous réchauffer parce que on n'a pas terminé cette montée. Avec toujours des couleurs caractéristiques de l'automne, des magnifiques jaunes, oranges. Ça, c'est super. Ce chemin en sous-bois, c'est magnifique. Avec un tapis de feuilles mortes par terre, ce qui nous change d'hier, parce que c'était plutôt des rochers, des roches, des cailloux. Là, pour l'instant, c'est autre chose. Très agréable aussi. For the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's là, il y a du courant. Hein. On va voir s'il n'y a pas un gris quelque part. Bien, alors ce qui se passe, c'est que la passerelle a été emportée par le torrent. Alors, on a été obligé de trouver. Un passage où on pouvait passer nous et les chiens sans se laisser emporter par le courant. Donc ça, c'est chose faite. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer, mais c'était rock'n'roll, c'était bien. Voilà. Bon, on va pouvoir continuer notre boucle comme prévu. Je prends le fond de la vallée. C'est le cirque. Le cirque, ouais, avec la cascade de la piste dans l'ombre, mais je sais pas si on la voit même l'appareil. Bon, de toute façon, on va y aller, on va se rapprocher. On va aller voir ça de plus près. Bon, les refuges, évidemment, à cette époque-là, ils sont fermés. Les refuges privés. Et c'est un refuge privé, ouais, parce que. Les refuges publics, ouais, moi, tant pis. Comme on nous l'a expliqué, les refuges CAF, c'est CAF, je sais plus ce que ça veut dire. On va dire public. Ouais, on va dire que c'est public. Eux, il y a toujours une pièce, même s'ils sont plus gardés l'hiver, il y a toujours une pièce pour se mettre à l'abri l'hiver avec une petite cuisine. Dans les mieux équipés, il y a même tout ce qu'il faut pour cuisiner et tout, quoi. Donc ça, c'est sympa parce que quand on est pris par le mauvais temps, c'est très appréciable. Bon, allez, c'est parti pour la cascade de la Pisse. Grande cascade là, t'as vu là, on dirait que l'eau elle sort de la, de ah, la, de la roche. Ouais.
changé d'heure, Jean-Mi. Ça y est, écoute, je viens de réussir. Il est 10h20 et des brouettes du matin. À la nouvelle heure. À la nouvelle heure. Ouais. Voilà, nous sommes partis ce matin à 7h45. On a fait une belle balade. Il a fait un peu frais ce matin parce qu'on était dans l'ombre. Là, ça fait 10 minutes qu'on a un peu de soleil. Et c'est pour ça qu'on s'est calé là au refuge du Touron. Du Touron à 1700 et les poussières. On arrive à la cascade de la Pisse qui est sur ma droite. Et après, on va se rentrer tranquillement jusqu'à la voiture car on a encore 3 heures de voiture pour rentrer sur hier. Quoi. Donc ça va le faire. On est bien. Cette rando au Canada, hein, carrément. Enfin, j'imagine que c'est comme ça au Canada. Avec des belles couleurs comme ça, je suis jamais allé. Un jour, j'irai peut-être. Ah, on va croiser des randonneurs. Presque au terme de cette petite randonnée, ce matin. Et là, on aborde un petit hameau avec une jolie chapelle sur notre droite. Qui est juste derrière. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. Bon, là on arrive en centre-ville, hein. Attention à la circulation. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. On va casser une croûte et puis on va prendre la route. Bien mérité, voilà. Ouais. Oh, c'était sympa, voilà. Très très sympa, très ludique aujourd'hui. Ouais, nickel. Allez, on va rentrer chez nous avec notre tente sur roulette. En tout cas, c'est bien pratique ça pour dormir sur place. C'est parfait. Alors, je vais vous présenter le camp de base, parce qu'on en parle tout le temps, mais... Ah, bah tu vois. Bon, alors là, c'est un peu le bazar. Mais sinon, voilà, donc c'est un lit avec sommier qui est monté. En dessous, on range toutes les affaires. Et là, ça permet de dormir. La petite lumière qui va bien. Le duvet, le sac à viande, voilà, en tout cas c'est l'oreiller, c'est nickel pour faire de la rando. La petite table, et Jean-Mi c'est pareil, voilà. Là, ça tombe sur roulette aussi, c'est tout ce qu'il faut, voilà, c'est parfait. C'est bien parce que ça permet d'aller partout, on se fait pas jeter, c'est très discret. Bon, c'est moins confortable qu'un camping-car. On est en dessous des 2 mètres, on passe de partout. On se met où on veut. Et ça, c'est très très bon. Yeah. Allez. Eh bien, c'était un très très bon week-end. Super. Donc, Champoléon dans la vallée du Champsaur. Eh bien, c'est à faire aussi. C'est très très bien. C'est très sympa. Les gens sont très gentils aussi. Comme tous les gens de la montagne en général. Hein. Mais vraiment super. Voilà, on vient de se réveiller. Il fait très froid comme vous pouvez le constater. Sinon on a bien dormi. Ouais. Il fait froid quand même. Hein. Ouais, bon, j'étais bien couvert, j'ai le chien qui me chauffait les pieds, mais ça a fait frais quoi. Ça a fait frais. Hein. Voilà.